Bonsoir, bienvenue à Asile TV. Je suis très heureuse de terminer cette belle soirée, cette belle journée de la fête de la musique à Molenbeek-Saint-Jean, parce que nous avons eu une grande diversité de musique, mais aussi des associations qui se sont réunies sur la place communale, des associations qui ont un lien avec beaucoup de pays dans le monde, parce que c'est important à Molenbeek de tisser ce lien des associations avec de nombreux pays. Et puis nous avons aussi eu des orchestres qui se sont succédés tout au long de l'après-midi. Et ce soir maintenant nous avons Balkan Traffic qui est un groupe des Balkans et qui termine cette belle journée où nous avons eu de très nombreux participants, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de partage, et c'est essentiel pour se sentir bien à Molenbeek. Chaque année, il y a la fête de la musique en région bruxelloise et à Molenbeek. Nous sommes toujours présents. Dernière à dire pour le public ici. Le public ici, qu'est-ce que vous leur dites ? Alors au public, alors moi je vous dis que ne manquez pas l'édition à Molenbeek l'année prochaine, parce que c'est toujours une très belle rencontre et on a la diversité, on a la rencontre. C'est la musique, mais c'est aussi la découverte d'autres saveurs du monde, d'artisanat. C'est la culture, les cultures à Molenbeek, et c'est tout à fait essentiel pour le vivre ensemble. Est-ce que vous soutenez les jeunes artistes ? Évidemment que Molenbeek soutient ses artistes, les jeunes artistes, notamment à travers le programme de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale, où ils ont chacun l'occasion de pouvoir se produire. Que ce soit des musiciens ou que ce soit des plasticiens, enfin, nous sommes ouverts à tous les arts dans leur diversité. Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui parlent mal de la paix ? Moi, aux jeunes, je leur dis bienvenue. C'est essentiel.